y a 10 ans, les routiers... Voici maintenant le plus beau gadin de la semaine. Elle vient de perdre encore 63 places. Dur, dur. La langue de chez nous d'Yves Duteil. La chanson numéro 3, évidemment, de Michel Berger. De tes chansons, mais en particulier pour une. Si tu me donnes le temps, Jean-Claude. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Il vaut d'être vécu sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous plaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La petite a les larmes aux yeux d'émotion. Moi, je suis au bord des larmes. Enfin, la chanson n'est pas dégueu. Hein? Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est ta victoire, c'est ton hommage, c'est le merci du métier, du public. Un hommage. Pour ta carrière. Un hommage. Tu dois répondre maintenant. Eh bien, un hommage
posthume, ça n'est pas en rayon. Surtout de ton vivant. Quand on est refroidi, on n'a rien à cirer. Je ferai une petite parenthèse. Où est le ministre ? Monsieur le ministre de la Culture. Lumière. Vous voyez que j'arbore. Vous êtes décerné. Officier des arts et lettres. Classe. Classieux. Il faut le faire. Eh bien. Oui, hommage posthume, je ne suis pas encore crevé. Il est refroidi, on n'a rien à cirer. Et hommage. Ça fait un peu fin de. Carrière. Rends-le-moi. Ta gueule. Rends-le-moi. Ta gueule. Laisse-le-moi. Trop beau. Ici-toi. Il n'en profite pas. Il a pris, c'est marrant, il a pris. C'est curieux. Oui, ça fait. Reste avec moi, chérie. On va faire la même chose, mais en MENO. Je n'ai pas fini mon parcours. Bravo. Bravo. En ce sens que je pratique la musique, d'accord, mais aussi la langue française. Et je vais vous donner des exemples. Harley Davidson. Comic strip. Love and a bit. That's French. Jack Lang. Hein? C'est un autre. You're under arrest. Donc. Mais elle est bien roulée, celle-là. Mais celle-là est encore plus. Tiens-moi ça, toi. Allez, j'emporte de tout. Bravo, Serge. Dommage émouvant de la profession à Serge. Alors maintenant, une récompense spéciale décernée. Et le joli mosquito de Vanessa Paradis. Mosquito. Qu'elle soit douce, et oui, Mylène Farmer. Hommage au vidéoclip. Alors, si vous voulez bien, je vais vous le faire. Vous voulez bien? Non? Non, je vois là, il y a un monsieur qui est pas très chaud. La dame là-bas. Vous voulez pas, si vous voulez. Moi, personnellement, je veux. Ah, si tu commences à compter, Richard. Je vais vous le faire. La musique a de tout temps à ses guitares mis des rubans. Sans un petit plumage du plus beau des ramages, la recette est connue. On ne fait pas un fromage. Les images et la musique s'aiment depuis longtemps. Leurs enfants fêtent ce soir leur victoire en chantant. Ah ben, t'as bien fait de te mettre à l'écriture, Richard. Et le gagnant est ? J'ai nommé ce soir au meilleur clip. C'est la voix de Patrick Bruel. Ouais. Musique contemporaine de l'année. Maintenant, Caroline. Ah,
une victoire très attendue avec un trio au sommet là. Oui, c'était des révélations féminines de l'année dernière qui se sont révélées finalement être de vrais artistes cette année. Et elles sont en piste. Ça va être sanglant. Elles sont en piste pour l'attribution de la victoire de l'interprète féminine de l'année. Alors en piste, Elsa. Il y a également Patricia Cass. Et Vanessa Paradis. Eddie Mitchell, oui, je te laisse le soin. De quoi faire ? D'ouvrir l'enveloppe et de départager. Non, j'ai eu peur parce qu'on pourrait m'accuser. Bon. Voilà. Alors là, c'est un choc au sommet. Hein. Bah, je crois que ça va être une fille, normalement. Ah, Vanessa Paradis. Deuxième fois que je pleure ce soir, je suis désolée. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Bravo Serge, bravo. Ah, c'est agréable, hein. Déjà que t'avais une réputation, enfin. Mais je vais dire plein de merci encore. Merci Franck Langolf qui est mon compositeur. Je dis un gros merci à Étienne Rodagil qui est peut-être devant sa télé. Je fais un bisou à Didier Pin. À toute mon équipe. Eddie, fais quelque chose, Eddie. C'est un gros problème. C'est un gros chagrin. C'est un tout petit. Hein? Oui, c'est bien. Alors. Hein? Eddie, rappelle-lui qu'elle doit chanter peut-être. Ah, oui, au fait, c'est pas tout ça. Oui, je sais. Oui, au cas où tu l'aurais oublié. Si non. Non, ah bon. Qu'est-ce qu'elle va nous chanter, cette grande fille? Hein? Et comment ils s'appellent, tes parents? Alors, ça va mieux? Ça va mieux? Je fais aussi un gros bisou et je dédie ça à mes parents qui sont sûrement devant leur télé aussi. Voilà, merci. Marilyn, peint sa bouche. Elle pense à John, rien qu'à John. Un sourire, puis un soupir. Elle fredonne une chanson. Interview et des sweets qui
Vanessa Paradis, meilleure interprète féminine de l'année. Bravo Vanessa. Il faut rappeler que Vanessa a eu une année brillante puisqu'elle a été l'interprète du film Noce Blanche de Jean-Claude Brissot avec Bruno Kremer, qui a été un grand succès. C'est donc une année exceptionnelle. Avec Eve, maintenant, on va récompenser la création de musique contemporaine de l'année. Vous avez déjà survolé, Eve, ce prix il y a un instant. Alors les trois, dans le domaine des instruments de musique, les Japonais ont déjà fait beaucoup de choses, mais ils ne nous ont pas encore piqué le hautbois. Non, pas du tout. Combien de hautbois chaque année ? 800, en gros 800. Et qui s'exportent ? À 60%. 60% d'exportation dans le monde entier, 42 pays. Bon, je vous félicite. Il y a encore des artisans en France, monsieur Roland Riguta. Alors que les Japonais nous ont fauché, si j'ose dire, la flûte. Oui, il y a encore deux ou trois artisans, mais qui vraiment sont submergés par la flûte japonaise. Eric Bruel, Corinne Hermès, Francis Cabrel, venez tous, Vanessa Paradis. Voilà, c'était ce soir la fête de toutes les musiques. Serge. Et je voudrais saluer Raymond DeVos, le président, qui peut aller se coucher maintenant. Bonsoir Raymond, meilleure santé. Vous êtes monsieur le funambule de l'absurde le plus grand du monde. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Serge, bien. Verita Mitsuko, Alain Souchon, Johnny Clegg, tous en ligne. On vous voit bien. Rock voisine. Patrick. Merci à tous. Merci à la SFP, au réalisateur Rémi Grammac. À l'année prochaine. Au revoir.